C'est donc à cela que ressemble une affiche de rêve, un stade plein qui chante Hey Jude, deux grandes équipes, deux grands entraîneurs sur les bancs et surtout une place pour la finale de la Ligue des Champions à la clé. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, à Vipay. On est évidemment immensément heureux d'être ici, de vivre ce grand moment entre Manchester et champion. Est suspendu, Walker est blessé, Riyad Mahrez à 20 mètres, le bon ballon de Mahrez. Moins de deux minutes, Paul. Moins de deux minutes pour venir justement faire la différence avec ce centre de Riyad Mahrez. Magnifique. De Bruyne, le centre est bon. Le centre est excellent. Et ça finit au fond pour Gabriel Jesus qui a transformé la deuxième occasion de City. C'est le rêve qui commence pour Manchester. Et le cauchemar pour Madrid 2-0. Pep Guardiola. Ancelotti clairement trop vite dans la circulation. Il y a du temps à Mim Rodri. Il a hésité à prendre la frappe, pourtant il n'était pas pressé. Lui aussi buteur ce week-end contre Watford, d'une magnifique volée. Phil Foden, rappelons-le, on le voit jouer depuis plusieurs saisons déjà. 20e minute. Citizen, et il s'offre un 2 contre 1 joué avec Mahrez. Ça finit dans le petit filet, quelle action, quelle qualité technique, c'est du grand art. Le ballon ensuite qui va mourir sur le poteau. Il y avait une position de hors-jeu bien sûr. Vinicius au moment du contre de Karim Benzema. Mais attention parce que ça donne une possibilité pour Vinicius. De Pep Guardiola. Benzema encore, c'est bien, le centre est bon. Et à la barre qui était passé devant, qui rate le cadre d'un cheveu. Oui, et c'est Benzema qui... Et bien joué de Bruyne pour Phil Foden, la balle de 3-0. Pour Foden, ça passe à côté du but de Thibaut Courtois. Quelle contre-attaque encore. De frappe de Zinchenko, ça passe encore à côté. Vous avez vu sur cette action. L'occasion pour André qui était là pour fermer le. De City, centre de Ferland Mendy vers Benzema. Qui remet le Real dans la partie. Il ne lui a fallu qu'une demi-occasion pour tout relancer. L'étoile madrilène brille de plus belle, 2-1 pour Manchester. Le pied gauche de Riyad Mahrez pour frapper au deuxième. Carlo Ancelotti à gauche. Fin de cette magnifique première période sous les applaudissements. Il est dans une gestion de 180 minutes. Voire... Chelsea, c'est peut-être ce que dit aussi Karim Benzema. Moins de deux minutes. Bruyne. De Bruyne en première intention au deuxième poteau. Avec un ballon qu'il adore, Kevin De Bruyne. Quasi légèrement fait tourner. Oh, bien joué pour Mahrez qui a réussi à passer et qui va pouvoir se présenter face à Courtois. Le poteau et le sauvetage miraculeux ensuite de Carvajal devant Foden. Énorme opportunité pour les Citizens. La frappe de Rodri ensuite a été contrée, corner, mais Fernandinho qui a dédoublé sur le côté droit, le centre de Fernandinho pour Phil Foden au deuxième poteau qui cette fois a vu Courtois, on n'a pas manqué la cible. 3-1 pour Manchester City et les tiens qui respirent de nouveau. Le ballon pour Bernardo Silva, c'est un peu plus tempétueux le technicien de Manchester City. Bien joué là Vinicius qui a réussi à faire la différence. Il y a un 3 contre 3 à jouer. Vinicius il va y aller tout seul, il va y aller tout seul. Vinicius qui remet une nouvelle fois le Real Madrid dans la partie. Toute la vitesse du Brésilien qui cette fois-ci y est allé tout seul. Carvajal pour Militao qui avait pris ce ballon de la tête. C'est dans les gants d'Ederson. De Bruyne, Zinchenko qui s'est inséré dans l'espace libre. C'était ensuite pour Foden qui a pour Henrik la porte trompée. Rodrigo maintenant, Rodrigo dans la surface. Vinicius, le ballon qui sera trop profond. Et il semblait en position de... Ouais, Zinchenko qui avait fait le dribble qu'il fallait devant Kroos. Qui vient d'envoyer un bisou dans la lucarne de Thibaut Courtois. Et qui va finir avec encore le Portugais. Et peut-être encore un nouveau retournement de situation pour Modric. Qui a trop écrasé sa frappe du pied gauche. Encore avec Mahrez. Oh là 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 là. Incroyable. Et Dominique, je reviens sous le souvenir. C'est frappé par Toni Kroos, c'était pour Benzema. Yama, ce ballon a-t-il été touché de la main? Le joueur du Real le réclame et Beati. Face à Ederson. Benzema
haleine dans le ventre pour tenter ce geste-là, Mbappé. Exploité tant bien que mal. Valverde, oui, bien joué les mains. Et d'ailleurs, ballon en profondeur. Ça y est, c'est terminé. Quel match encore. Quel match de légende que nous ont offert.